Merci beaucoup, Sabine, pour ces quelques mots. Alors, effectivement, je vais faire ma conférence en français. Ma prima di continuare la conferenza in francese, ho visto che ci sono anche italiani. Vorrei ringraziare l'Accademia Belgica per il suo invito a partecipare a questa serie di conferenze. Ho avuto il piacere di fare un soggiorno 2 anni fa. Sto cercando di capire come l'antichità classica ha potuto irrigare la modernità in quegli anni, non come riproduzione di una tradizione classica idealizzata, ma come fonte di una nuova energia partecipando all'emergenza di tendenze innovative nel mondo dell'arte. Se ci sono, anche ci sono partecipanti italiani, spero di riuscire a farmi capire, di non parlare troppo velocemente. Ovviamente mi sarebbe, piaciuto di essere a Roma stasera per tenere questa conferenza, ma le circostanze ne hanno deciso diversamente. Magari potrei venire un'altra volta per, parlare. Per esempio, del legame di Van de Velde con il passato, e per condividere con voi, le cose, per esempio, orribili che lui ha scritte sul Rinascimento italiano, che era un'epoca che lui non amava. Io parlo in francese ora, donc je vais maintenant faire ma conférence en français. Donc c'était un plaisir évidemment pour moi de faire cette conférence pour le compte de l'Academia Belgica. Je disais précédemment que évidemment j'aurais préféré le donner en présentiel comme on dit aujourd'hui, mais je vais quand même me livrer à cet exercice pour lequel nous sommes maintenant dans l'enseignement supérieur très familier. Donc, je vais vous introduire en quelques mots tout de même. Henri Van de Velde, pour ceux qui seraient moins familiers de sa carrière, et ensuite tenter de voir quels sont véritablement les liens que l'on peut faire, qui sont manifestes, explicites dans les nombreux écrits de Van de Velde, entre sa perception de ce qu'est la modernité, cet art nouveau qu'il tente de créer, et l'articulation avec la pensée Nietzsche. Je regarde pour l'affichage. Voilà. Et donc, je partage effectivement mon écran pour vous un peu vous montrer ces rapprochements. Alors, ce n'est pas, en ce qui me concerne, ce n'est pas un sujet extrêmement nouveau, c'est-à-dire que ça fait quand même quelques années que beaucoup de chercheurs s'y intéressent, mais ce n'est pas encore très connu. Alors, la Bible, je dirais, sur le sujet, est une thèse d'un historien de l'architecture, d'un théoricien de l'architecture de 2013, donc ce n'est quand même pas non plus un sujet suranné, de Ole Fischer, publié en allemand, Les ombres de Nietzsche, Henri Van de Velde, de la philosophie à la forme. Et le musée de Weimar, le Neues Museum de Weimar, a récemment élaboré sa collection semi-permanente autour de cette thématique et du culte que les artistes qui entouraient, je dirais, Van de Velde, ont pu rendre à Nietzsche, à Weimar, dans ce nouveau Weimar tel qu'il se présentait à la fin du 19e et surtout au début du 20e siècle. Et donc, ce penseur allemand a résonné très vite chez Van de Velde, dont je vais un peu rappeler en quelques lignes des éléments de biographie. Donc, il est né à Anvers, donc en 1863, et il va vivre dans une famille bourgeoise. Et comme formation, il n'est pas architecte, parce qu'on dit souvent l'architecte Henri Van de Velde, mais en réalité, il débute sa carrière comme artiste peintre, c'est-à-dire qu'il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, où il étudie le dessin d'après l'antique, il étudie d'après modèle vivant, mais il ne va pas aller au-delà d'une année,
comme on dit aujourd'hui, il ne va pas valider ses crédits et il va très rapidement être entraîné dans un apprentissage un peu autodidacte. Et c'est quelque chose qui va sans doute le caractériser très fort parce que tout au long de sa vie, il va ensuite essayer de compenser ce côté autodidacte par une boulimie de lecture, dont effectivement la lecture de Nietzsche, une boulimie de lecture et une activité de théoricien excessivement importante et intéressante. Il va au tout début s'orienter vers l'art français, évidemment, à l'époque, vous imaginez bien, on est dans les années 1880, il va s'intéresser aux artistes comme Manet, Millet, et il va avoir aussi sa phase. Je vous montre un petit, ça c'était pour l'introduction, les deux personnalités que je veux vous, dont je vais vous entretenir ce soir, Henri Van de Velde et Nietzsche. Donc ça, c'est un peu ce qu'il peut faire au début de sa carrière, une peinture très finalement académique. Il va avoir une phase de réalisme, une phase aussi néo-impressionniste. Et il va surtout rentrer dans ce groupe des artistes des vingtistes, le groupe des vingt, qui est fondé à Bruxelles par Octave Mauss en 1883 et qui publie une revue importante, L'Art moderne. Et dans le cadre, vous voyez, de ces vingtistes qui portaient le nom, il y a quand même des noms très connus, hein, vous avez notamment Théo van Rijsselberghe, que vous connaissez bien, James Sansor, Fernand Knopf, dans les noms parmi les plus connus, pardon. Et il y a toute une série d'artistes invités, et parmi ceux-ci, vous voyez, Constantin Meunier, Claude Monet, Camille Pissarro et Georges Seurat, qui va vraiment impressionner. C'est aussi une époque où il y a des transformations dans l'art, vous savez, l'influence, par exemple, du japonisme qui va être extrêmement important. Et ça, c'est une des images que l'on peut voir de ces expositions. Enfin, ça, c'est Seurat qui est exposé le dimanche après-midi à la Grande Jatte, Georges Seurat. Tout ça va vraiment importer à Van de Velde. Et il va avoir lui-même, regardez ici sur ces plages, là, il l'est souvent à la côte belge, il va lui-même avoir sa phase, vous voyez, néo-impressionniste, mais il trouvait cette technique relativement fastidieuse et il va assez rapidement l'abandonner. On a quand même quelques exemples de peinture néo-impressionniste. Ensuite, vous voyez qu'une autre influence avec des aplats de couleurs, des influences de Gauguin, des influences de Van Gogh qui vont en fait démontrer le dynamisme de la ligne et qui vont alimenter aussi ces réflexions puisqu'on associe souvent à Van de Velde cette phrase « la ligne est une force ». Et progressivement, vous voyez, il va s'orienter vers ce genre d'ornementation. Il va développer un travail de théoricien. Ce n'est pas la couverture originale. C'est un des recueils qui a été publié plus tard par les archives d'architecture moderne et qui regroupe un certain nombre d'écrits théoriques. C'était pour vous montrer simplement à travers cette couverture son travail, ses écrits théoriques qui lui donnent des conférences, des cours qui lui permettent un peu de réfléchir à comment se positionner. Son côté théoricien va évidemment énormément jouer. C'était un boulimique de lecture. Il faut savoir que, comme l'a dit Sabine, nous accueillons, nous hébergeons au sein de l'école de la Cambre le fonds Henri Van de Velde, qui est un fonds regroupant l'essentiel de ses archives graphiques, mais aussi sa bibliothèque personnelle, avec toute une série d'ouvrages, en tout cas la bibliothèque personnelle telle qu'elle existait à la fin de sa vie, avec toute une série d'ouvrages qui ont permis de nourrir ses réflexions intellectuelles, ses écrits théoriques. Et je montre une photo un peu assez attendrissante de sa femme, qui, tout ça pour vous dire qu'il se marie à Maria VII, personnalité aussi importante, une famille assez bourgeoise, qui va lui permettre aussi d'acheter un terrain et de faire sa première réalisation architecturale. Vous voyez ici, par exemple, la maison Blumenwerf, qui se trouve à Uccle et qui est actuellement en restauration.
Et vous avez, pour comparaison, ce qu'il fait un peu plus de 10 ans plus tard, la maison Hohepappen, sa maison qu'il fait construire à Weimar, et dont il dessine les plans. On voit une évolution notable et on voit aussi directement, par exemple, dans cette maison, l'influence très claire du mouvement Arts and Crafts. Je vous montre un exemple d'une maison de Philip Webb, ce mouvement Arts and Crafts qui va le marquer au début de sa carrière. Alors, il va le marquer à la fois dans l'architecture, mais aussi dans l'art du livre. Et ça, j'y reviendrai parce que Van de Velde va réaliser un certain nombre d'éditions de luxe d'ouvrages de Nietzsche. Alors, cette maison Blumenwerf, pour revenir, pardon, je vais revenir un peu en arrière, est une sorte quand même de maison manifeste de sa pensée à l'époque. Donc, c'est quand même toute une architecture, effectivement, de façade un peu art and craft, mais à l'intérieur, on voit déjà un certain nombre de caractéristiques de Henri Van de Velde, avec un plan en polygone irrégulier et une architecture excessivement organique. Et cette maison va accueillir un certain nombre d'intellectuels européens, vous savez, et d'artistes, Johann Reisselberg qui venait, Camille Pissarro, Signac, ou le poète Verhaeren. Ou encore, et c'est la transition, l'historien de l'art Julius Meyer-Graeff. J'en parle parce que c'est important pour savoir comment il a atterri en Allemagne, même s'il n'a pas attendu d'aller en Allemagne pour lire Nietzsche, mais bon, il faut quand même expliquer le contexte de son arrivée en Allemagne. Alors, Julius Meyer-Graeff, en fait, va venir avec Siegfried Bing, qui possède un magasin, une galerie d'art japonais à Paris, et il lui dit, c'était un Allemand originaire d'Hambourg, il lui dit que il doit cesser en fait de vendre des éléments du japonisme en réalité et de l'art japonais en lui-même parce que c'était effectivement à la mode et que ce qu'il devait vendre, ce qu'il devait promouvoir, c'est Van de Velde. Alors, sa galerie, vous voyez, donne le nom presque au mouvement, l'art nouveau, et Bing donc, va proposer à Van de Velde d'aménager une série de pièces. Alors, autant vous dire que pour le bon goût français, son mobilier n'a pas été excessivement bien accepté. Par contre, il a un très grand écho en Allemagne et il va y avoir un certain nombre de commanditaires allemands et donc il va pouvoir exposer. Il explique tout ça dans ses mémoires. Il expose également dans des expositions en Allemagne comme à Dresde. Et il va se trouver un certain nombre de protecteurs, comme par exemple de commanditaires, Eberhard von Bodenhausen, un portrait d'Edvard Munch, dont je reparlerai tout à l'heure, mais aussi le fameux comte Harry Kessler. Alors, pour vous montrer un peu le style de mobilier qu'on pouvait avoir à l'époque, puisqu'on est en plein du néo-gothique, du néo-roman, du néo-renaissant. Et donc, lui va proposer un intérieur berlinois. Ça, c'est un peu pour ça qu'il va avoir du succès. Ça, c'était dans l'environnement, je dirais, intérieur des Berlinois. Et vous voyez ce qu'il propose quand même de radicalement différent, par exemple, dans sa maison à Hohepappel. Mais oui, je voudrais surtout vous parler de Harry Kessler et du contexte, sans doute, de quand il arrive en Allemagne. Alors, que se passe-t-il à cette époque? Comment est structurée la société? Il va d'abord passer par Berlin, mais je vais surtout, moi, vous parler de Weimar. Et vous voyez, le grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach, c'est cette partie
en bleu clair dans cet immense empire allemand. Et c'est Weimar, effectivement, est un élément important. Je vais directement aller à Weimar et pas trop vous parler de sa période berlinoise. Weimar, en fait, va être une étape incontournable, finalement, dans l'histoire du modernisme, puisqu'il y a toute une série de maisons, et c'est une ville aussi contradictoire, parce qu'elle est à la fois le conservatoire de la culture allemande, comme étant la ville de Goethe, de Liszt, de Schiller, donc une ville qui est un symbole, qui a eu un âge d'or à l'époque classique, et enfin, à l'époque de la littérature allemande classique, et Weimar va rejouer un rôle fin 19e, début 20e, avec des débats très, très lourds sur des questions aussi fondamentales que la persistance des traditions, l'image de l'homme, la manière d'habiter le monde, les formes de société, donc tous ces débats très importants qui ont lieu à Weimar. Alors, je ne vais pas dire non plus que c'est Van de Velde qui a amené la modernité à Weimar. Il y avait déjà une sorte d'avant-garde qui était présente, puisque le grand-duc avait créé une école grand-ducale d'art à Weimar, qui a été fondée en 1860, mais cette école grand-ducale, donc très influencée par la France, par les avant-gardes françaises, l'impressionnisme, le post-impressionnisme, enfin, le pointillisme, et donc dans cette Weimar, on va voir un trio se former, et ce trio, c'est Henri Van de Velde, d'une part, et vous avez également le comte Harry Kessler, sur lequel je vais revenir, et le troisième membre du trio, c'est la sœur de Friedrich Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche. Alors, un peu pour vous montrer, ça c'était le grand-duc Karl Alexander et son fils Wilhelm Ernst, pour vous expliciter un peu le fonctionnement de cette Weimar, il y a une cour, et autour de cette cour, ben, on essaye, il y a des tendances différentes, et chacun essaye d'apporter sa contribution. Alors, la sœur de Nietzsche avait déjà déménagé à Weimar quelques années auparavant, et Nietzsche avait passé les dernières années de sa vie dans la villa, et la villa Silberblick, et dans cette villa, il passe ses dernières années dans un état végétatif, j'y reviendrai aussi. Alors, le comte, je pense que j'avais une photo, je vais y revenir, voilà. Le comte Harry Kessler, lui, est quelqu'un qui est un intellectuel européen qui a des contacts partout en Europe, et il va être engagé comme le directeur du musée, et il va organiser des expositions tout à fait importantes d'artistes pionniers. Il va organiser des expositions d'impressionnistes, des expositions de néo-impressionnistes. Il va faire l'acquisition d'œuvres importantes de Rodin, de Van Rijsselberg, de Monet, qui se trouvent toujours dans ce très beau musée, le Neues, à Weimar. Et donc, il va y avoir une véritable impulsion qui va être donnée par Harry Kessler. Et dans ce contexte d'une Weimar quand même bouillonnante, on a cet Henri Van de Velde qui est un peu touche-à-tout, hein, on a vu peinture, dessin, architecture, mobilier, je reviendrai après sur l'art du livre, et on voit que Henri Van de Velde arrive à partir de 1902. Donc, il n'a pas rencontré Nietzsche, qui est mort en 1900. Il arrive en 1902 et il y fonde un séminaire qu'on appelle le Kunstgewerbliche Seminar, le séminaire des métiers d'art, auquel succède ensuite une véritable école grand-ducale, hein,
Kunstgewerbeschule, l'école des métiers d'art, la Kunstgewerbeschule Weimar, l'école des métiers d'art de Weimar. Alors, il faut un peu revenir sur le contexte historique. Ce contexte historique, il y a, on est à la veille quand même de la Première Guerre mondiale, et on sait que tout le 19e siècle, c'est un siècle des nationalismes, et donc c'est, même la Première Guerre mondiale est aussi une guerre en elle-même, une guerre des esprits. Là, il y avait cette idée que la culture allemande devait s'imposer contre la mollesse occidentale, et ça, tout ça, en fait, tout ce substrat nationaliste, tout ce substrat nationaliste a en réalité entraîné l'Allemagne dans une première, et avec les conséquences que l'on sait, et la deuxième dans la foulée. Et donc, c'est une Allemagne en pleine affirmation d'une identité supérieure, mais malgré tout, l'Allemagne n'est pas, dans cette époque, une Allemagne complètement unie. Et on va voir qu'à Weimar, il peut exister à la fois les tenants de la plus grande modernité, mais aussi une clique qui entourait souvent la cour du Grand-Duc, des personnes les plus réactionnaires. Et c'est ce que, c'est évidemment cela, par exemple, cet esprit réactionnaire qui était aussi propre à une certaine bourgeoisie de Weimar, qui a mis un peu dehors également l'école du Bauhaus plus tard, hein, quand le Bauhaus est parti à Dessau, c'est un peu poussé dans le dos par cette même clique réactionnaire qui a toujours existé à Weimar. Et donc, dans cette période, il y a énormément de choses qui sont devenues des jalons pour le développement de ce qu'on appelle le modernisme. Mais évidemment, ce modernisme, il n'émerge pas en une fois. Il y a des ruptures, des continuités, des ambivalences. Effectivement une idéologie, une foi presque progressiste. Cette foi en l'art et en l'homme nouveau, en l'émergence de quelque chose de nouveau, c'est tellement parfois ambigu que ça a permis aussi de basculer dans une mauvaise compréhension des choses. Un livre est sorti il y a peu, de Iveta Slavkovar, qui s'appelle « Réparer l'homme ». C'est intéressant parce que donc, la crise de l'humanisme et l'homme nouveau des avant-gardes autour de la Grande Guerre, 1909-1929, qui fait un parallélisme intéressant entre cette avant-garde, notamment du Bauhaus, plus tard, et le futurisme italien, et comment ces idées de basculement sémantique, de nouvel homme, cette nouvelle humanité, étroitement associée à la pensée de Nietzsche, comment on a pu basculer, parce que ce nouvel homme, il ne devait pas être celui qui a été décrit plus tard par le fascisme en Italie et le nazisme en Allemagne. Cette volonté de puissance qui a pris sa forme concrète dans l'idée d'Übermensch, donc de surhomme, cette volonté de puissance a été interprétée par toute une série de cercles nationalistes radicaux et plus tard par les nazis, donc déjà avant que les nazis ne soient au pouvoir. C'est comme une volonté, en fait, d'une aptitude d'enrichir, donc à la base, c'était la volonté d'enrichir son être, et c'était une idée positive. Et ça a été interprété par certains comme un appel à la domination d'une race supérieure sur les autres, qui n'était pas du tout, évidemment, la compréhension qu'en avait Nietzsche. Alors, à Weimar, il y avait eu toute une série de modifications au cours du 19e. Je vais revenir un peu sur les portraits voilà, ici. On a à Weimar toute une série de
presque révolution. Mais à l'époque, il faut imaginer que la production manufacturière de Weimar n'est pas de la meilleure qualité. La qualité de la production, notamment de mobilier et autres, manufacturière en général, la qualité, elle se trouve en Angleterre et en France, mais certainement pas en Allemagne à cette époque. Et on est jusque dans les années, effectivement, 1980, 90, même début du siècle, encore dans l'historicisme, parce que l'historicisme, en fait, c'est pas uniquement un goût esthétique, parce que le 19e siècle, c'est un siècle de paradoxes. Vous avez d'un côté, je prends des exemples, les grandes expositions universelles, qui donne une sorte de compétition pacifique entre les nations qui étaient ouvertes sur le futur, qui ont donné lieu à des réalisations de verre et d'acier, le Crystal Palace, le Grand Palais, la Tour Eiffel. Et donc tout ça amène vers la modernité, mais d'un autre côté, il y a ce retour aux racines nationales, cette auto-justification et auto-glorification à travers une architecture qui reproduit, par exemple, tout l'historicisme, qui reproduit les styles de l'époque romane, de l'époque gothique, de l'époque renaissance, ainsi de suite. Et en fait, tous ces styles offrent simplement un répertoire d'orientation intellectuelle, d'orientation idéologique. Si on recourt à une architecture néo-particulière, c'est pour exprimer quelque chose de particulier. Et on a eu un moment intéressant avec les expositions internationales, et tout ça a été finalement enterré par la pompe de l'architecture historique. Et donc, Karl Alexander lui-même va, quelqu'un qui se présentait comme un défenseur des Beaux-Arts, donc il faut faire quelque chose. Il s'est lui-même intéressé d'ailleurs aux idées arts and crafts. Et alors, Karl Alexander, il était encore quand même dans l'historicisme. Par exemple, il a fait complètement reconstruire le château de Wartburg, ce château très symbolique, parce que c'est là, dans ce château, que Martin Luther a traduit la Bible en langue vernaculaire. Et donc, c'est une forteresse qui a une signification historique importante et qui est destinée à légitimer la dynastie ernestine, comme on l'appelait, la maison de Wettin, comme une sorte de patronne des arts de la Réforme. Et tout ça a été perçu comme une Gesamtkunstwerk, donc comme on disait à l'époque, une œuvre d'art totale avec le mobilier, les peintures qui fonctionnaient avec l'architecture, tout ensemble. Et donc, cette grande école est quelque chose qui est quand même intéressant, cette école qu'ils font de peinture, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent lié à l'art français. Donc, c'est souvent un écho. Il n'y a pas de grand nom qui en est ressorti de l'école qu'il a fondée. Alors, je vous montre juste, ici, c'est pour un appartement que Van de Velde avait réalisé dans la Kranachstrasse à Weimar, où il réalise l'aménagement intérieur. Et il va articuler l'ensemble autour de cette poseuse de Seurat, qui était une peinture qui était pour lui importante. Et quand on analyse le mobilier intérieur, par exemple, de Van de Velde, on doit toujours analyser en même temps les œuvres qui étaient exposées. Parce que la déclinaison des couleurs, notamment dans cet appartement qui a disparu, la déclinaison des couleurs de la peinture, en fait, dicte la déclinaison des couleurs des murs et des meubles, des papiers peints, donc de toute une série de choses par ricochet. Donc, ils vont réaliser des choses ensemble. C'est pour le public belge qui se rappellera sans doute l'expo du cinquantenaire en 2013, c'était la couverture, ce fameux chandelier.
Et ça, c'est un autre élément de l'architecture intérieure de Van de Velde, où vous voyez, par exemple, ce mobilier. Tout avait été choisi en collaboration avec le comte Harry Kessler. Vous voyez un moulage des frises du Parthénon, et j'y reviendrai parce que dans la théorie de Van de Velde, comme dans la pensée de Nietzsche, la Grèce antique tient une place prépondérante, une place assez fondamentale. Donc, montre. Vous voyez, par exemple, ici, c'est Kessler, il se permettait d'envoyer à Van de Velde des suggestions. Vous voyez, un mobilier, ils ont une relation très longue d'amitié, puis ils ne se sont plus vus. Mais c'est que, vous voyez quand même qu'il l'écoutait. Donc, Kessler a joué vraiment un rôle très important et a été une sorte d'intermédiaire avec la sœur de Nietzsche et dans toute cette construction dont je vais vous parler, cette chaise finalement que Kessler avait suggérée et qui a été en réalité construite. Alors, je vais en arriver maintenant aux archives Nietzsche en soi. Donc, les archives Nietzsche, c'est le projet, un des premiers projets qu'il va mener quand il va arriver. Et il faut rappeler quand même, Nietzsche, c'est indiscutablement le philosophe le plus important de cette fin du XIXe siècle. Et il était devenu effectivement une figure complètement messianique qui trouvait un écho auprès des intellectuels et des artistes de son temps. Et il y avait une vénération déjà latente dans la société, et simplement la sœur de Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche, qu'on voit à l'écran, va instrumentaliser cette vénération latente pour créer un véritable culte autour de la personnalité de son frère. Et la fondation des archives Nietzsche par sa sœur Elisabeth Förster Nietzsche, avant que Nietzsche meure, d'ailleurs en 1896, donc c'est devenu un lieu de pèlerinage, c'est devenu un centre de dévotion presque pour le philosophe allemand. Et il faut se rappeler quand même que le philosophe allemand était, quand il est arrivé à Weimar, a été couché en permanence, vêtu d'un vêtement blanc. Il y avait toute une figure christique ou dionysiaque, on en avait fait une figure particulière. Et donc, on sait qu'à cette époque, quand Nietzsche arrive à Weimar, il est très malade. Et donc, la sœur de Nietzsche organisait quelques visites pour le philosophe, des gens triés sur le volet. Et ensuite, la sœur de Nietzsche va ramasser un certain nombre d'écrits qui étaient parfois des phrases tirées de leur contexte pour en faire de nouveaux livres posthumes. Mais tout ça va évidemment faire dévier la pensée nietzschéenne de son objet premier. Alors, ce philosophe a ensuite été récupéré à toutes les sauces par énormément d'idéologies. Et il y a eu une appropriation politique du philosophe, mais qui est plus tardive. Elle commence dans les années 20. Ici, vous voyez par exemple Nietzsche à l'été, hein, avec sa chemise blanche. Vous avez ici la sœur qui reçoit le Führer. Vous avez les funérailles effectivement d'Elisabeth Förster Nietzsche avec l'état-major nazi bien présent, parce que ça a fait partie du mythe de la nation. Alors ce bâtiment, je vous le montre dans une photographie plus actuelle, ce bâtiment existait déjà, hein, quand Elisabeth Förster Nietzsche arrive à Weimar, elle l'achète. Mais la forme actuelle est plus tardive. C'est la forme que Van de Velde lui a donnée. Alors,
C'est-à-dire que le portail, si vous regardez, l'avant-corps de la maison a été ajouté par Van de Velde et il a réalisé l'ensemble de l'aménagement intérieur. Dans la pensée nietzschéenne, l'ouvrage fondamental, pour la petite histoire quand même du bâtiment, avant de revenir sur ce rapport à Nietzsche, pour la petite histoire, comme Nietzsche avait été récupéré par à la fois le fascisme et le nazisme, et que après la Seconde Guerre mondiale, on est tombé en fait, Weimar était dans le bloc de l'Est, on a fait un peu n'importe quoi. Ça a été un moment une résidence de chercheurs, ensuite tout a été saccagé, les écrits, les archives ont été transférés aux archives de la littérature allemande de Weimar, le mobilier avait été un moment aussi transféré, ça a été une résidence pour des chercheurs à un moment, puis ça a été la radio locale, on avait même à l'époque dans la chambre dans laquelle d'ailleurs Nietzsche terminé sa vie au premier étage. Aujourd'hui, c'est une salle de bain, enfin, c'est une vieille salle de bain des années 70. Donc voilà, il y a toute une, ça a été reconstruit, refait, et aujourd'hui, on peut avoir la chance de voir ce fameux monument. Et Nietzsche, dans sa pensée, le livre qui a vraiment le plus influencer les artistes, les intellectuels, c'est Ainsi parlait Zarathoustra, livre rédigé entre 1882 et 1885. Pour faire court, il se réfère à un ancien prophète iranien, le leader spirituel Zoroastre, et on a une narration épique de l'humanité. Il décrivait son livre comme une Bible du futur, hein. C'est ça, cette dimension prophétique. Et il y avait effectivement une discussion sur l'Übermensch, donc la race, l'homme supérieur, une série de réflexions sur l'éternel retour, sur la volonté de puissance, mais ce n'est pas du tout ce qu'on en a fait plus tard. Dans d'autres livres recomposés par la sœur de Nietzsche, mais aussi dans la compréhension qu'on en a eue dans le nazisme et le fascisme. Il a évidemment influencé énormément d'artistes, mais aussi des musiciens parmi les artistes. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que la question du rythme, dans sa perception du rythme, de la vitalité, de la ligne, tous ces éléments sont excessivement importants. C'est une autre photo, hein, quand vous arrivez à l'entrée, avec ces très très belles poignées réalisées par Van de Velde. Et donc, il faut savoir que quand Nietzsche arrive dans cette maison, il a eu un problème en Italie, en fait, à Turin, et c'est quelqu'un qui a fait une crise. Et donc, il a été conduit dans une clinique d'aliénés. Et donc, c'est un moment où Nietzsche, finalement, et tout ça va contribuer à son mythe. Hein. Nietzsche va s'identifier aux figures, un peu, quand il, dans son courrier, il s'identifie au Christ, il s'identifie à Dionysos, qui tous les deux ont été un moment sacrifié, qui sont des symboles de la souffrance. Nietzsche, en 1892, est dans un état complètement végétatif et il meurt en 1900. Et les 4 dernières années de sa vie, 1896-1900, il vit dans cette maison et qui n'est pas encore aménagée par Van de Velde. La sœur de Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche, je n'ai pas dit, personnage quand même assez trouble, puisqu'elle avait tenté, elle revenait en Allemagne après une expérience ratée de colonie antisémite au Paraguay, où elle a perdu à la fois tout son argent et son mari, et elle revient ruinée. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se consacrer à l'héritage de son frère, mais
pas tellement par altruisme, mais véritablement par opportunisme pour en vivre. Et d'ailleurs, elle a vécu une belle vie bourgeoise jusqu'à la fin de sa vie grâce à cela. Elle va harceler les correspondants de Nietzsche pour récupérer les originaux. Enfin, elle va très bien comprendre les nouvelles lois sur les droits d'auteur et ainsi de suite. Et on a toute une série de dons qui arrivent hein, pour justement contribuer à la rénovation des archives Nietzsche. Et elle s'attelle aussi à l'édition, la traduction dans d'autres langues des œuvres de Nietzsche. Et elle fait aussi un travail de falsification, de recomposition, d'achèvement de l'œuvre de son frère. Donc c'est un rôle très controversé encore aujourd'hui. Et elle apparaît, à l'époque, c'est une femme bien, elle apparaît comme une fidèle sœur, gardienne de l'œuvre de son frère. Et donc, voilà, avec le comte Harry Kessler, on veut faire de ces archives Nietzsche un centre pour les avant-gardes. Et Elisabeth Förster Nietzsche comprend l'importance de l'art, des médias dans cette société moderne, et donc elle va faire photographier son frère, elle va faire quasiment des portraits officiels qu'elle va pouvoir vendre après être reproduit. Et donc ça devient une attraction, les archives Nietzsche, mais il faut la rendre plus belle comme attraction. Et Van de Velde était en Allemagne, il commençait déjà un peu à être connu, il se fait désigner comme le conseiller esthétique du Grand-Duché, et donc il va arriver à Weimar, et il va être très intéressé évidemment, puisqu'il a toujours apprécié le philosophe allemand, et c'est une ville importante, Weimar, il y avait eu Goethe et Schiller, ensuite il y avait eu Franz Liszt, et puis maintenant il y a Nietzsche, et donc c'est ça ce nouveau Weimar qui amène une réforme des arts, de la littérature, de l'architecture, et même de l'art de vivre, grâce à Van de Velde, qui avait quand même une conception assez totalitaire hein, de l'art, qui devait être partout. Conception de Van de Velde, ça plaisait évidemment à Van de Velde, ça correspondait, surtout que tout cela devait être fait sous l'aura de la philosophie nietzschéenne. Et Van de Velde avait lui-même déjà perçu dans la philosophie nietzschéenne une critique de la culture bourgeoise. Et c'est cette culture bourgeoise qui avait amené la laideur, selon les écrits de Van de Velde, qui avait amené la laideur dans sa plus haute expression, représentée pour lui par le style, les styles historicistes. C'est vraiment l'alliance parfaite, ce bâtiment, puisque ça combine ses intérêts d'une réforme esthétique à la création d'un nouveau style. On a un design des archives Nietzsche qui va devenir un exemple très emblématique du concept de Van de Velde de transcription ornementale, d'art programmatique, si on veut, puisque Van de Velde va non seulement être influencé par Nietzsche, mais aussi, par exemple, par la musique, par Richard Wagner, parce qu'il va prendre des théories musicales romantiques, hein, tardives, et il va les appliquer à l'architecture, au mobilier, à l'art du livre. Donc c'est l'inverse de conception idéaliste. Il est Kant, ce n'est pas pour lui, par exemple, Hegel, Schelling. Lui, il a cette dimension du rythme qui le motive et qu'il voit presque comme même le rythme, la danse, le mouvement, comme des éléments féconds pour précisément l'émergence d'un art nouveau dans la société. Et donc, cette,
cette nouvelle conception, c'est, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire l'œuvre d'art totale, on pourrait le traduire aussi, on pourrait dire la synthèse des arts, c'est-à-dire qu'il faut cette synthèse des arts qu'il va notamment trouver, comme Nietzsche, dans la tragédie grecque. Puisque la tragédie grecque, c'était du théâtre, mais c'était aussi des chants, c'était de la danse, c'était des décors, c'était des gestes, c'était tout, des vêtements, des costumes. Et Van de Velde va donc adopter très clairement cette idée de synthèse des arts. Il va rejoindre évidemment Nietzsche, parce que Nietzsche avait déjà réfléchi notamment à Wagner, à la métaphysique de la musique dans tous ses premiers écrits. L'intérêt, par exemple, d'une représentation non figurative, et là, de nouveau, on retrouve la même préoccupation chez Van de Velde et chez Nietzsche, l'intérêt d'une représentation non figurative, parce que il suggérait en fait une identité des mondes internes et externes. Si on reproduit la réalité, par exemple dans l'art mimétique, un art mimétique qui reproduit la réalité, un portrait, un paysage ou autre, suggère une identité des mondes internes et externes. Lui, il veut plutôt reformuler l'idée présocratique de la physis, donc de la nature, comme une sorte d'unité organique de l'esprit et de la matière. Et donc, ils ont tous les deux des références grecques. Moi, c'est par ce biais-là que je me suis intéressé à ce lien Van de Velde-Nietzsche, parce que dans les deux, c'est l'intérêt pour cette Grèce archaïque fantasmée dans leur esprit qui va un peu les guider. Alors, quand il arrive aux archives Nietzsche, Van de Velde va faire une série de manipulations. Vous voyez, il améliore l'entrée quand même, très très belle poignée. Avant, on avait juste un bâtiment cubique. Ici, il fait une sorte d'avant-corps et il ajoute l'inscription, hein, Nietzsche Archive, donc, c'est-à-dire le titre, le titulus, comme on disait en latin au Moyen-Âge. Donc, il devait partir. Vous voyez que l'architecture, à la base, c'est une architecture néo-renaissante. Mais donc il va animer la surface avec cet avant-corps et il va construire de nouvelles choses à l'intérieur, surtout c'est sans doute, vous voyez l'entrée quand même qui est impressionnante, aujourd'hui c'est évidemment musée, ça c'est une sorte de bureau, mais alors ça c'est la pièce principale. C'est ce que je voulais plus vous montrer avec une série d'éléments de mobilier intégrés. C'est la pièce principale où on ne sait pas très bien quel est le statut. Parce qu'on a un bureau, on a un statut, on voyait hein, l'autre vue, on a un salon. C'est un élément entre... on a cette fameuse cheminée avec le N du Nietzsche qui est une sorte de renvoi à la personnalité du philosophe allemand mais sous forme de glorification. Donc on ne sait pas très bien quel est le statut. Alors certains chercheurs ont parlé de cet espace d'occupation comme d'un studiolo, un peu comme à l'époque renaissante, à Urbino, par exemple, le fameux studiolo de Friedrich de Montefeltre. Et la réponse, parce qu'on se demande pourquoi, se trouve peut-être en fait dans ce programme du nouveau Weimar, cette rivalité qu'il devait supporter avec le culte de Goethe. Puisqu'il y avait, il y a la maison, vous avez deux maisons de Goethe, en fait. Il y a la petite maison dans le parc et la grande maison dans le centre-ville de Goethe. Donc, il y avait déjà un culte rendu à la gloire du plus grand écrivain allemand de l'histoire. Et donc, il y avait aussi une sorte de petit bureau, on peut aller encore visiter aujourd'hui,
Et donc, il fallait rivaliser avec ce microcosme personnel qu'on avait construit pour Goethe. Et donc, Van de Velde met en scène une sorte d'ambiance authentique, une sorte de studiolo plausible dans lequel le philosophe, mais il était déjà mort depuis quelques années, le philosophe aurait aimé travailler, aurait aimé écrit. Et tout ça a eu beaucoup de succès auprès d'une partie de la société de Weimar. Et puis, vous voyez ici la cheminée. Vous avez également, oui, je vous montre d'autres éléments je dirais, de ce cercle, je dirais, d'artistes qui aussi se reconnaissaient dans cette même énergie nietzschéenne. Par exemple, Edvard Munch, vous voyez, c'est le même ensemble, c'est le même cercle. Il fait un portrait de Harry Kessler. Vous avez des échos. J'ai pris un peu beaucoup d'images. Si vous regardez, par exemple, dans cette liaison, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il vient faire cet Auguste Rodin ici. Il a été exposé, c'est l'âge des reins, il a été exposé effectivement, Rodin, il avait même été exposé en sous forme d'une exposition de dessin qui avait fait scandale à Weimar. Mais l'âge des reins, tout ça participe en fait aux idées nietzschéennes également, d'émergence d'une nouvelle humanité. Donc tout ça se retrouve, pas uniquement chez Van de Velde. Vous voyez, on a quelques exemples, on avait même accusé Rodin d'avoir fait du surmoulage, ça avait un peu fait scandale. Dans la même Mayol connaissait Van de Velde, j'en reparlerai parce que dans le projet de monument à Friedrich Nietzsche, Mayol devait intervenir également. Ce jeune cycliste, avec des réminiscences, un peu cette figure un peu comme Praxitèle, c'était en fait son jeune amant. On a toute une série de photos d'Aristide Maillol en train de faire la sculpture, qui était une commande de Harry Kessler, effectivement, et c'était le jeune amant d'Harry Kessler qui était le modèle de cette sculpture un peu néo-praxitélienne. Vous voyez également dans ce cercle d'artistes, on a un portrait d'Henri Van de Velde par Edvard Munch, un peu comme un voile de Sainte Véronique, pour ceux qui voient. Et Van de Velde va lui-même, vous avez dit, être un théoricien, je dirais, important. Il va écrire des livres sur le style, sur la colonne grecque. Il va également réaliser, par exemple, ici, vous voyez, Neuen Stil, qui est une influence, par exemple, de l'art, qu'on peut dire sans doute celtique. Et ici, on a l'édition qu'il a réalisée. Ce sont des éditions réalisées avec très peu d'exemplaires. On a dit de ce livre, donc c'est l'édition réalisée par Van de Velde du livre de Nietzsche, Azospra Zarathustra, et on a les épreuves d'ailleurs de ce livre. On a toute une série d'essais avec différentes couleurs dans le fond Van de Velde qui vont être réalisés à Insel Verlag. Donc il y aura ainsi parlé Zarathustra. Et tout ça permet Ecce Homo, par exemple, aussi, 1908, mais évidemment, le philosophe est mort depuis déjà 8 ans, le Dionysos Dithyrambe, qui avait été d'abord publié en annexe à Ainsi parlait Zarathustra, qui sont des chants, des élégies, tradition grecque, édition de nouveau de luxe, parfois c'est très peu d'exemplaires, et je vous montre en fait toute une série d'éléments qu'on peut retrouver, notamment dans les musées, qui ont participé, parce que Van de Velde est un des protagonistes qui participe à la construction du culte de la personnalité de Nietzsche. Vous voyez ici Kurt Stuving, portrait de Nietzsche sur la véranda familiale. Donc on le voit un peu en figure de bourgeois. Der Ries, le géant,
Il faut un peu décrypter, mais là, ce sont des textes aussi, un extrait de Nietzsche. Et la sœur de Nietzsche va commander un certain nombre de portraits qu'elle va parfois faire retoucher, de portraits dessinés et peints pour contribuer, je vous en montre quelques-uns comme ça, pour contribuer à ce culte de la personnalité. Max Klinger, très grand sculpteur, également, qui réalise plusieurs sculptures de la figure de Nietzsche. Je vous montre différents bustes, hein, ceci en Hermès. Et ça, c'est par exemple ce que vous pouvez voir si vous allez au Neues, à Weimar, qui montre quand même cette intention de la sœur de Nietzsche de constituer un corpus qui permettrait précisément de rendre un culte à son frère. Je vais vous montrer. Oui, alors ça c'est aussi. Je vous avais dit que je vous reparlerai un peu de Edvard Munch, enfin Munch si vous voulez, parce que il a aussi cette influence de la pensée nietzschéenne. Vous voyez avec cette figure, c'est un autoportrait à la lyre, la musique, référence à la tragédie. Il a le visage émacié. On a le sentiment qu'il souffre également, cette souffrance pour l'émergence de cette nouvelle humanité, le célébrissime portrait de Nietzsche dans une pose mélancolique. C'est pas Edvard Munch, voilà. Ça par contre, c'est bien, pardon, Edvard Munch. Et vous voyez ici, on a aussi le philosophe nu face au soleil, le vent. Donc on a toute cette symbolique qui anime ce qu'on a appelé le nouveau Weimar, et c'est très important. Alors, il y a le mémorial de Nietzsche, ça je ne peux pas vous le montrer en vrai parce qu'il n'a jamais été réalisé, mais il voulait réaliser pour 1914 le mémorial à la gloire de Nietzsche, parce qu'en 14 ça devait être les 70 ans de la naissance de Nietzsche, même s'il était déjà mort. Et donc c'est un monument qui n'a pas été réalisé, mais qui est important parce que Van de Velde y a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé avec Kessler qui voulait absolument ce monument, et il y a beaucoup travaillé, il y a eu plein de projets, notamment si vous regardez ici, il y avait ce projet où c'était un temple, une sorte de temple grec avec une statue monumentale qui devait représenter l'homme nouveau. Et cette statue devait être réalisée justement par Mayol. Et il y avait une sorte de bois, vous voyez, une sorte de téménos aussi, comme le sanctuaire à la grecque. Van de Velde a conçu plusieurs projets, au moins quatre. Alors, il y en avait avec des éléments bordés d'arbres. Vous avez des projets avec des temples qui ressemblent. Il y en a un d'inspiration assyro-babylonienne, l'autre d'inspiration néo-byzantine. Bon, voilà, il réalise, mais finalement, ce projet n'a jamais été réalisé, puisque c'est un projet extrêmement coûteux et qui n'a jamais trouvé les fonds nécessaires. Et donc, pour conclure, conclure dans 10 minutes, je dirais, parce qu'on m'a demandé de rester autour d'une heure d'intervention, je dirais que Van de Velde, son rapport à Nietzsche, s'accole en fait à une intuition qu'il avait eue. Parce qu'il était aussi assez radical, il était contre la laideur, donc il était un militant contre la laideur, un militant de la beauté, et pour lui il y avait quelque chose à faire pour transformer la société, et on ne pouvait pas transformer la société dans un environnement aussi délétère que celui
que lui percevait comme affreux, comme laid, et qui était celui des styles historicistes. Et pour lui, vivre dans ces environnements amenait une corruption morale. Et donc, tout ça, en fait, le fait d'avoir de mobilier petit bourgeois, rendait les gens petits bourgeois, petits esprits, entourés de bibelots. Il fallait une clarté, donc il fallait de l'harmonie, de la beauté, de la mesure. Et donc, d'ailleurs, ce sont des choses qui ont été parfois. Je dirais négative pour Van de Velde parce que il a toujours été un peu en décalage avec son temps, parfois trop en avant, parfois il donnait le sentiment d'être un peu en arrière, comme ici par exemple, on est à une époque où Adolf Loos, le grand représentant je dirais du mouvement moderniste contre l'ornement, on se rappelle l'ornement et crime. Et où Van de Velde lui apparaît quelqu'un comme aussi bourgeois et hypocrite, parce qu'il dit oui, ben, le mobilier de Van de Velde, c'est aussi pour les bourgeois. Mais Van de Velde va s'en expliquer plus tard dans ses écrits. Il essaye de développer une théorie de la beauté. Je vous rappelle quand même que au niveau de théories modernes, il y avait quand même, par exemple, Baudelaire et son esthétique de la laideur, qui était bien présent dans le paysage intellectuel, dans certaines avant-gardes. Et donc Van de Velde, quand il vient avec cette idée d'harmonie, de beauté, peut apparaître aux yeux de certains comme un peu ringard. Mais en fait, ce que Van de Velde voulait faire, c'était remonter aux origines supposé pour lui de l'humanité et comprendre l'élan primitif de la création artistique. Si vous regardez dans tous ces manuscrits sur l'ornement, il y en a toute une série, à la fois aux AML, donc dans les bâtiments de la Bibliothèque royale, mais aussi dans nos archives à Lacan, ces manuscrits sur l'ornement, ou ces tapuscrits parfois sur l'ornement, puisqu'il a donné un cours sur l'histoire de l'ornement. Mais il remontait, il essayait de trouver l'origine, la vitalité primitive de l'art. Mais Van de Velde avait quand même une ambition importante, c'était de créer un art nouveau, un art universel et un art qui soit tellement rationnel qu'il sera beau tout le temps. Ça, vous allez me dire, c'est pas possible parce qu'un art, chez beaucoup de tenants de la modernité, forcément, l'art est moderne dans son temps. Mais Van de Velde avait, lui, cette prétention, je dirais, mais cette conviction aussi de pouvoir créer un beau immuable, un beau immuable qui, évidemment, faisait aussi référence à toute une série de préceptes nietzschéens. Parce que, à un moment, c'est assez drôle de lire certains écrits de Van de Velde. À un moment, il dit que cette chute de l'humanité dans la laideur est due au christianisme pour lui. Parce que il voyait le modèle pour Van de Velde, c'était la Grèce. Et donc pour lui, là, c'est la déchéance de la divinité, ben, fait que si la divinité déchoit donc dans un homme, ben, forcément il y a tout le reste qui suit. Donc il y avait un anti-christianisme esthétique chez Van de Velde assez prononcé. Mais je dirais pour lui, la belle période, ça s'étendait de tout début de la civilisation jusque au sommet de la civilisation. Et ce sommet, c'était le monde grec qu'il appelait présocratique. Et donc, on sent très bien quand il dit le monde grec présocratique qu'il est très clairement en référence à Nietzsche. Nietzsche
est la référence affirmée de Van de Velde. Et pour lui, tout ce qui est laideur, c'est le sentiment. Et il a toujours ce côté, un peu comme la vieille querelle, la couleur et le dessin qu'on a eu au XVIIe siècle, où la couleur était le sentiment, le dessin, la raison. Ça revient chez Van de Velde. Lui, il dit, bon, tout ce qui est sentiment, c'est le Gefühl hein, en allemand, la laideur, le sentiment, pardon, qui, ça, c'est la laideur, la fantaisie, parfois il dit fantaisie, tout ça, il dit, c'est la sentiment, c'est chrétien, c'est quelque chose qui est de l'ordre des émotions, tant que ce n'est pas rationnel, c'est pas possible. Et pour lui, la seule manière d'envisager le design, l'architecture et l'ornementation des livres, c'est la raison. Parce que la raison peut produire un ordre qui peut unifier l'ensemble de la création artistique. Et donc, le beau, pour lui, est forcément rationnel. Le sentiment n'a pas sa place. Parce que, pour lui, le beau rationnel transfère une logique à l'œuvre dans l'art grec archaïque, essentiellement. L'art grec, il appelle présocratique, plutôt d'ailleurs un terme utilisé en philosophie et pas en art, ce qui montre un peu le filtre nietzschéen important, à la fois dans sa vision de la beauté, mais aussi dans sa vision de la Grèce. Et donc, le style que Van de Velde veut amener, c'est le contre-pied, l'exact opposé de ce qu'on peut appeler la dispersion des temps modernes, c'est-à-dire les néos, donc tout le style historiciste, puisque chez Van de Velde, l'essentiel est de produire une unité de l'ensemble, mais dans toutes les expressions de la vie. Et tout ça, c'est exactement ce que Nietzsche avait écrit quelques années auparavant. On l'a souvent noté, en fait, toutes ces idées de Nietzsche sont elles-mêmes issues d'une interprétation du fantasme grec qui est très particulier au XIXe siècle finissant. En plus, chez Nietzsche, comme chez Van de Velde, il y a cette idée qu'on ne peut pas. Il y a une corruption morale de la laideur qui va avec une corruption morale. C'est un peu comme le kalos agathos grec. On est beau et on est bon. Si on est beau à l'extérieur, on est bon à l'intérieur. Eh bien, là, ça se reflète également dans la pensée. Si on est laid à l'extérieur, si on vit dans un laid environnement, on ne peut être que laid à l'intérieur. Donc, il y a une dimension morale aussi qui va se greffer à tout ça. Et donc, il va se positionner dans la grande querelle de l'ornement à cette époque. Et quand il va développer sa théorie de l'ornement rationnel, dans l'ornement rationnel, on voit déjà par exemple, le logos grec, l'ornement rationnel, il va dire qu'il faut éliminer toutes les imitations de la nature, un peu tout ce qui est Nancy, le style de l'école de Nancy, Gallet, Guimard et autres, ou même Horta à Bruxelles. Il dit qu'il faut un ornement pur. Et cet ornement, il faut que forme et fonction puissent être en parfaite harmonie. Il faut pas styliser la nature, il faut pas qu'on reconnaisse, il faut pas de mimétique. Il disait lui-même que les Grecs avaient découvert le moyen de conférer à leur architecture la vie, tout comme le culte dionysiaque. Bon, alors, il a quelques lacunes tout de même parce que, en fait, les références par rapport aux beautés, aux notions de beauté, vous savez, beauté apollinienne, beauté dionysiaque, en fait, lui se trompe. Il parle souvent de dionysiaque et deux lignes plus loin, il dit qu'il faut un art rationnel. Donc, l'art, effectivement, qui est
liée à la raison, c'est la beauté apollinienne à ce moment-là. Et à un moment même, il est conseiller esthétique à Weimar, il l'a été après en Belgique, ça lui a valu puisqu'il est resté pendant la Deuxième Guerre mondiale à procès, hein. Il n'a pas été condamné. Il faudrait confier les industries à des hommes sages. Je vous rappelle tout de même que Nietzsche imaginait un gouvernement avec des artistes philosophes. Je pense que c'est quelque chose qui aurait bien plu à Van de Velde, parce qu'il faut lutter contre la laideur avec des moyens importants. Et donc, Van de Velde, c'est un artiste, mais aussi un théoricien qui va toucher à tout, effectivement. On sait bien que Van de Velde a une production vraiment impressionnante, à la fois dans ses écrits, mais aussi, je dirais, dans toutes les formes d'art. Tout ça est placé sous le signe du fantasme grec également, à un moment. Je ne vais pas, évidemment, tout ramener à cet élément, mais en tout cas, dans ses théories esthétiques, c'est extrêmement, extrêmement palpable, puisqu'on sait qu'il y a toute une série de ses proches, notamment Harry Kessler, mais aussi Aristide Maillol, qui sont également des personnalités qui vont avoir un intérêt particulier pour la Grèce et pour retourner vers ce qu'ils percevaient comme unité. Et Friedrich Nietzsche, en fait, avait lui-même une passion pour la philosophie grecque. Et en fait, on a le sentiment que cette passion pour la Grèce qu'avait Nietzsche, il l'a transmise aux artistes. Et on sait, si Van de Velde, par exemple, fait autant référence à cette Grèce qu'il appelle pré-socratique, qui considère un peu comme un modèle des temps à venir, c'est l'influence nietzschéenne qui est là. Et quand il veut créer son style nouveau, c'est-à-dire un style qui soit l'expression unique de tous les aspects de la vie, et ça, c'est réclamé par Nietzsche, c'est très clairement dans la deuxième considération inactuelle, avec une référence explicite à la Grèce ancienne. Il y a cette identité entre laideur, déchéance morale. Voilà. Et lui, en réalité, il se trompe, puisque la beauté qu'il devrait promouvoir, c'est la beauté apollinienne. Or, il parle souvent de Dionysos. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est dans ces théories, souvent il y a ces idées, un peu comme dans ce projet ici, vous voyez, qui remontent vers cette idée du temple grec. Et donc, la relation entre l'architecte et designer belge et le philosophe allemand s'est faite effectivement de manière indirecte et par le biais d'une fascination commune, sans doute, pour la Grèce et pour l'idée d'une humanité nouvelle qui devait émerger. Et il a profité effectivement d'un élan tout à fait particulier qui était celui de Weimar au début du XXe siècle. Mais on le sait que, effectivement, Van de Velde a été influencé toute sa vie par ses idées. Ça a été un moment d'intensité quand il a travaillé à Weimar dans les archives Nietzsche, parce qu'il a pu directement contribuer à la construction du culte autour de la personnalité du philosophe allemand. Et ça a été un élément extraordinaire. Il a même fait, par la suite, pour vous dire, il a fait une croisière aussi avec la sœur d'Elisabeth Forster Nietzsche en Grèce. On a aussi toute une série d'écrits de correspondance entre Harry Kessler, Aristide Maillol, parce qu'ils font également un voyage en Grèce auquel aurait dû participer Van de Velde, mais finalement il n'est pas venu à ce moment-là. Et donc cette redécouverte en fait d'une énergie de conception de la beauté fondée sur l'ordre et l'harmonie, rappelant, je rappelle par la même occasion,
effectivement que cosmos, c'est aussi c'est le monde, c'est la beauté, mais c'est aussi l'ordre. Et donc le monde à l'origine naît d'une mise en ordre du chaos. Et donc c'est ces conceptions qui ont à la fois impressionné Nietzsche, Van de Velde, mais aussi toute une série d'autres artistes. Et en cela, on peut voir que l'étude, par exemple, que la Grèce, par exemple, dans la Grèce antique, a été reçue à la fois à certains endroits comme un conservatoire, notamment, je pense au style Pompée en peinture, un conservatoire de tradition classique et donc d'immobilisme, mais auprès de toute une série d'autres artistes, elle a fourni une énergie incroyable qui a permis à la modernité de s'installer durablement dans le paysage mondial. Voilà, j'ai terminé mon intervention. Et je vais donc arrêter de partager. Je crois avoir plus ou moins respecté. Merci, cher Kevin, pour cette conférence tout à fait passionnante, très complète, et qui nous rappelle combien le modernisme s'est développé, au fond, à un moment quand même très critique de l'histoire. Hein. Souvent, d'ailleurs, à la demande, et c'est ça que tu as tellement bien mis en lumière, d'acteurs qui joueront un rôle prépondérant dans cette histoire et qui, du coup, colorent, je dirais, d'une certaine manière aussi l'histoire de cette architecture moderne, à raison ou à tort, d'ailleurs. Cela souligne une fois de plus, d'ailleurs, l'importance aussi d'analyser de manière critique le contexte précis de ces réalisations modernes, et c'est précisément ce que le projet de l'Academia Belgica entend faire également. Je voulais te demander si Van de Velde lui-même, à un moment donné, a posé un regard plus critique, justement, sur son adhésion, je dirais, à la philosophie nietzschéenne. A-t-il infléchi cette manière de penser lui-même plus tard dans sa carrière, ou au contraire, as-tu l'impression qu'il est toujours resté très fidèle à cette manière de voir les choses? Alors, moi, j'ai le sentiment qu'il est resté très fidèle, parce que peut-être que le moment où il a été en doute, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Parce que, en fait, je l'ai dit en un quart de phrase, mais il était déjà le conseiller esthétique. Hein, il travaillait pour le ministère des Travaux publics à un moment, et ça rejoignait ce que j'avais dit, cette idée du gouvernement des artistes philosophes. Et il a été le conseiller esthétique de la SNCB. Le logo actuel en est toujours une déclinaison de Van de Velde. Il a réalisé un peu son rêve, et puis sans doute qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, là où il n'avait pas vu le problème lui-même, parce qu'il disait « moi je fais des bâtiments, je dessine, c'est pas pour autant que je suis pour les Allemands », et de toute façon il a été effectivement acquitté, et c'est vrai, la découverte des horreurs, de l'instrumentalisation de tout cela, mais il est resté, je pense, même s'il a eu des difficultés quand il a été presque exclu de l'Allemagne au début de la Première Guerre mondiale, je crois qu'il a toujours gardé pour lui une sympathie profonde à la fois pour l'Allemagne, la culture allemande, et surtout son Nietzsche qu'il avait découvert quand il était jeune. Par contre, moi, je n'ai pas connaissance, et je suis à peu près certain qu'il ne s'est pas étendu, en tout cas dans ses travaux, il n'a pas fait de mea culpa, je dirais, par rapport à la sœur de Nietzsche. Il y a pas de critique, en fait, par rapport à ce qu'on a fait de la pensée nietzschéenne. Parce que je pense aussi, maintenant ça je ne suis pas un spécialiste de l'histoire
de l'histoire de la philosophie, si vous voulez. C'est-à-dire de comment, dans les livres, dans la littérature académique, on a commencé à faire, et ça, je ne pense pas que c'était immédiat, on a fait cette critique par rapport au livre trafiqué d'Elisabeth Forster Nietzsche. Mais je crois que c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas des livres de Nietzsche. Donc, il faudrait peut-être refaire. Mais dans ses écrits, après, il ne l'évoque plus dans sa phase tardive. Mais sans doute qu'à un moment, il y a eu un moment difficile. Mais je ne suis pas sûr qu'il était tellement occupé. Et c'était des ouvrages qu'il avait lus et relus dans sa jeunesse, surtout ceux qui avaient été publiés du vivant de Nietzsche. Après, je me doute qu'il a été lire les autres, y compris ceux sur lesquels se sont appuyées les idéologies nauséabondes qu'on a connues pour construire leur idée de surhomme. Mais je pense que de son côté, attendez, parce que j'ai mon téléphone, de son côté, en réalité, il a été, je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant avec le téléphone qui m'a interrompu. Donc, Van de Velde, après, quand il a retravaillé sur d'autres projets, ne s'est plus tellement référé à cette philosophie. Et d'ailleurs, à un moment, c'est vrai que quand il est conseiller esthétique, il fait des intérieurs, il fait des architectures, il fait des grands projets, mais il n'a peut-être plus, à ce moment-là, l'ambition de changer l'humanité. Je pense que quand il est dans cette phase de Nietzsche, dans cette phase où il fait les archives Nietzsche, je crois qu'il y croit vraiment, en fait, qu'il est à un point de bascule et qu'il y a moyen de changer la société par une nouvelle esthétique. Mais cette idée d'une esthétique immuable, d'un beau immuable, on le voit que Van de Velde lui-même s'est adapté à toute une série de styles et il va encore évoluer beaucoup. Et donc, c'est cette influence, peut-être que déjà après la Première Guerre mondiale, en fait, ça, l'influence de cette pensée s'étiole, mais il va aussi lui-même créer ses propres théories et il va surtout jouer un rôle au niveau de l'État. Après, il y a évidemment la fondation de la Cambre, son rôle dans les ministères, son rôle dans les expositions internationales, qui est aussi excessivement important. À ce moment-là, il s'est dit, pourtant, lui, il était un anarchiste. On ne peut pas, anarchiste, il avait plutôt des contacts de gauche, on ne peut pas, je dirais, l'accuser de sympathie par rapport à ce qu'on a fait de la pensée de Nietzsche après. Mais je ne pense pas non plus qu'il était outillé, je dirais, intellectuellement, pour rentrer dans ces débats philosophiques. Parce qu'il avait été imprégné, comme beaucoup d'artistes, de cette énergie et, à mon avis, beaucoup d'artistes d'avant-garde qui avaient été imprégnés par cette énergie, quand ils ont vu ou quand ils ont compris ce qu'on a fait de la pensée de Nietzsche, peut-être qu'ils se sont sentis trahis, peut-être qu'ils se sont sentis humiliés. Mais je pense que le travail critique par rapport à ça a été fait plus tard. Et donc, je ne sais pas si tous ces artistes, en fait, se sont rendus compte. Je sais que Van de Velde ne s'est plus exprimé véritablement, mais je pense que ce sont des travaux critiques qui ont lieu plus tard dans le milieu académique, qui ont montré la falsification de la pensée nietzschéenne. Mais je crois qu'ils ont tous eu l'intuition que ce n'était pas ça. Mais effectivement, ce qu'on en a fait, Van de Velde n'y adhérait pas. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il ait pris une distance par rapport à son intuition initiale, parce que ça a vraiment cette idée, la ligne est une force, c'est vraiment un leitmotiv dans toute sa vie, même si il n'y a plus, après dans ses écrits, ses références directes. Mais parfois, il y a des références, même dans ses écrits de jeunesse, qui sont quasiment directs, mais sans les citations de Nietzsche. Mais parfois, il y a des choses intrigantes, tellement elles sont proches.